Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 des Couleurs Classes, car on fait une semaine spéciale pour fêter l'épisode numéro 20, donc qui aura lieu non pas dimanche, étant donné que j'ai pas le temps et j'ai pas eu le temps avant de partir en week-end de le faire, donc il aura sûrement lieu lundi ou mardi. Je suis vraiment désolé du retard, mais en ce moment c'est pas trop la forme sur YouTube. Bref, vous allez voir la vidéo. Ma dernière vidéo que j'ai sortie il y a quelques heures, donc vous irez la voir et vous comprendrez un peu pourquoi. Bref, pour la couleur, je vous la présente, elle est là, elle est super belle. Franchement, là, on en voit du lourd en fin de semaine, donc encore avec un sorte de violet. Oui, je sais, comme je vous l'ai dit, j'adore le violet, mais là, c'est une couleur qui a été trouvée par Revenge X-Dead, donc il est derrière moi, je fais une dédicace, et cette couleur est juste beautiful. Vous le voyez actuellement sur mon écran, là, mes autres potes l'ont mis aussi, elle est juste magnifique, elle est sublime, moi j'adore. Bref, ouais, voilà, moi j'adore. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous la mettrez peut-être sur votre voiture, et après, comme je l'ai dit, sur même une des vidéos de cette semaine, pourquoi je choisis tout le temps la Zentorno? Tout simplement parce que je trouve que c'est l'une des meilleures voitures pour pouvoir vous montrer des couleurs avec le secondaire et la couleur primaire. Donc pour réaliser cette couleur, donc on va faire comme d'habitude, mettre du métallisé noir un peu partout pour que la voiture soit toute noire. Donc une fois que la voiture est toute noire, vous allez vous rendre dans le Los Santos le plus proche de vous, et là vous allez tout simplement aller chercher le mauve shafter dans métallisé. Donc vous prenez le mauve shafter, donc il y en a beaucoup qui kiffent quand je dis ça, ça fait l'accent allemand et d'où ça fait le shafter. Bref, donc une fois que cela est fait, vous allez vous rendre dans nacré et vous allez tout simplement y coller un nacré saumon. Donc une fois le nacré saumon collé, vous voyez que déjà l'effet est assez beau, donc je vais retirer l'effet pour que vous puissiez voir. Donc là il n'y a pas d'effet, et là je vais le mettre et vous allez voir que ça donne vraiment un effet assez joli. Le saumon qui se trouve juste ici, donc vous voyez que c'est déjà assez beau. Et pour la couleur secondaire, vous allez vous rendre dans matte et vous allez tout simplement prendre le sable du désert. Après, vous pouvez très bien mettre autre chose, hein, je ne vous oblige rien. Le jaune, ça passe, ouais, ça passe. Mais franchement, avec le sable du désert en matte, c'est juste beautiful. C'est mon avis, moi je kiffe. En tout cas, vous, tu kiffes, moi je kiffe. Vous kiffez pas, tu kiffes pas, je kiffe pas, tu kiffes. Bref, vous avez rien compris à ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Moi non plus, j'ai rien compris. Et pour la couleur des jantes, vous allez reprendre encore une fois le mauve shafter qui s'accouple avec la couleur de la voiture. Donc s'accouple dans le sens où ça rend ensemble, hein, pas dans le sens s'accoupler, hein, je sais pas, je pense que vous avez compris, hein, c'est un peu d'humour, vous voyez ce que je veux dire. Et bref, après vous avez votre couleur qui est juste magnifique, je pense. Donc là il y a tous mes collègues qui sont là, j'en fais une petite dédicace, coucou tout le monde. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode numéro 5. L'épisode 6 aura lieu demain, donc j'espère qu'il vous plaira. On va essayer de vous faire une des meilleures couleurs afin de terminer la semaine en beauté. Et cette semaine, en tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez vraiment pas à me dire si cette semaine des couleurs classes vous aura plu. Vous pourrez lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, nous, on va se retrouver dans de prochaines vidéos qui arriveront très très prochainement sur ma chaîne, que ce soit du Call of Duty ou même du GTA V. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.